voulez bien à vous lever et à m'accompagner dans un mot de réflexion. Alors, nous sommes prêts. Il n'est pas ouvert? Non. Il n'est pas ouvert, mais c'est OK. C'est bon? C'est bon. Merci. Alors, Thibault? Oui. 10.02, adoption de l'ordre du jour. Appuyé par M. Richard. De la séance du Conseil d'arrondissement avec les ajouts à 10.05.1, 12.01 et 20.04.1. Pour le mois dernier, nous avions une question qui avait été laissée sans réponse. Alors, je vous donne la réponse pour cette question. C'était une question de M. Robert Cordner par rapport aux sauvagines et aux hérons. Alors, simplement dire ici que nous n'avons reçu aucune plainte de héritage laurentien, aucune plainte de Conservation de la Nature Canada, qui est propriétaire de l'île aux Hérons. Nous n'avons aussi reçu aucune plainte du refuge d'oiseaux migrateurs de l'île aux Hérons. Et nous avons été informés par Héritage Laurentien, qui s'occupe de l'entretien du parc des Rapides, que les canards se sont déplacés d'eux-mêmes de leur emplacement antérieur, qui était près des activités de kayak sans frontières, pour aller s'installer au bassin naturel de la Saulaie. Alors, M. Cordner était préoccupé, justement, par les activités dans le parc des Rapides et la survie ou la protection de la sauvagine et des hérons. Donc, les vérifications ont été faites et tout est dans l'ordre. Alors, nous avons trois personnes qui se sont inscrites à la période de questions. Je reconnais M. Christian Frappier. M. Frappier, si vous voulez vous rendre au micro derrière, s'il vous plaît. Mais le transport en commun, lui, n'a pas bougé beaucoup. C'est-à-dire, moi, je sais pas, c'est la première fois que j'assiste ici parce que j'ai fait cette question. Est-ce qu'il y a un plan? On oublie le métro. Il semble que le métro, on ne l'aura jamais. C'est-à-dire vers l'ouest, vers Dollar et ainsi de suite. On le voit un peu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à... S'il y a des développements, mais on sait que partout, tout le monde le réclame. Donc, je ne pense pas qu'on l'attende ici. Est-ce qu'il y a déjà eu un projet? Est-ce que sur la véranderie, ce ne serait pas possible un jour d'avoir une forme de navette? C'est-à-dire, moi, je pense à ce terre-plein au centre, quelque chose qui ferait en sorte que tous les gens le long de la véranderie, incluant notre quartier, même jusqu'à Herlies, on puisse se rendre en Grignon. Mon épouse doit prendre sa voiture, la laisser à Monk. Ça veut dire qu'on a deux voitures. Ça veut dire dans l'air dans lequel on est, le problème de transport... Il me semble qu'il y a quelque chose à faire le long de la véranderie. C'est vrai que
tous les plutôt les maisons sont plus profondes près du fleuve. Mais au moins, on pourrait se rendre, on pourrait se... Là, on est vraiment pris avec deux voitures. Est-ce qu'il y a... C'est quoi la vision pour la ville? Nous avons adopté le plan de local de déplacement dans lequel nous avons une vision très, très claire du développement du transport en commun. Nous, on est encore très optimistes pour le prolongement du métro dans la salle. On croit qu'un jour, on va voir le prolongement du métro dans la salle. Est-ce que ça sera un métro de surface? Est-ce que ça sera un métro comme on le connaît en tunnel? On ne le sait pas. Mais il faut savoir qu'à l'origine, lorsque le métro avait été dessiné, il traversait la salle. Mais il y a eu des décisions à cette époque-là, mais là, on recule, ça fait très, très longtemps. Le métro ne s'est pas rendu, puis il a arrêté à... Au départ, il a arrêté à Twater, puis ensuite, il s'est rendu jusqu'à Angrignon. Nous avons le développement de la, on appelle ça la coulée verte, donc tout le long de, qui longe, mettons, Jean-Brion, qui longe, en fait, c'est l'ancienne emprise de la voie ferrée. Oui. Alors, cette emprise-là, on va avoir un développement de liens cyclables actuellement, mais on veut développer dans ce lien cyclable-là aussi du transport collectif. Est-ce que ça sera du transport collectif autonome à l'électricité? On ne sait pas. Mais on est déjà en pourparlers avec la Ville de Montréal. Ils sont sensibilisés. C'est dans les cartons. C'est en train de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette emprise-là. Parce que ça traverse la salle. Cette emprise-là traverse la salle du métro jusqu'à la gare de train. Alors, ça serait vraiment pour les gens, là, ça serait rapide. Maintenant, pour ce qui est de la véranderie, on est déjà en pourparlers avec la STM. La STM, nous ont déjà fait une proposition d'avoir une voie réservée sur la véranderie. Donc, il y aurait comme genre d'express là, qui serait sur la véranderie, qui partirait du métro Angrignon, c'est ça, et qui longerait la véranderie tout le long. Nous, on la voudrait, la véranderie, puis on voudrait qu'elle monte aussi sur la Fleur. Pas la Fleur, mais Herlé. On voudrait vraiment qu'elle monte jusqu'à Herlé, jusqu'au terminus qui est actuellement là. On souhaite voir le terminus déménager d'un coin de rue, parce qu'il y a éventuellement un projet qui va se construire dans Wanklin, qu'on appelle là, sur la rue Wanklin. Et on aimerait avoir le terminus à un bout du projet, puis à l'autre bout du projet, il pourrait y avoir le déménagement de la gare. Alors oui, en termes de développement de transport en commun, on est là-dessus, on travaille là-dessus, on a des visions, on a des projets. C'est toujours en pourparlers. Dès qu'on a une tribune potentielle, on s'exprime, on dépose un mémoire, Montréal est au courant. Et puis, même quand Madame Plante, lors de sa campagne électorale, avait promis la ligne rose, par après, j'ai reparlé avec elle, pour dire que la ligne rose, si elle se fait, il faut absolument qu'elle passe par la salle parce qu'on est vraiment enclavé. Oui. Et c'est la difficulté que nous avons d'améliorer le transport en commun, c'est vraiment notre situation géographique. On est enclavé entre le fleuve et l'aqueduc de Montréal, puis à l'autre bout, bien, on a le canal de la Chine. Donc, pour traverser je dirais, d'est en ouest, ça va assez bien, mais c'est plus du nord au sud où on est limité. On doit traverser soit par le boulevard Lassalle, soit par Dollard ou soit par Chevchenko. Après ça, il n'y a plus de possibilités. Alors, on a eu quand même une passerelle piétonne que ça a pris 15 ans, 20 ans qu'on en a parlé. Elle a fini par aboutir, cette passerelle-là. Mais c'est une passerelle piétonne, cycliste. Puis c'est tant mieux parce que les gens peuvent traverser du sud puis aller au cégep ou bien aller prendre les autobus, etc. Mais oui, on travaille là-dessus très, très fort. Et on a quand même inscrit dans notre vision. On en fait même une priorité dans notre plan d'action quinquennale pour l'arrondissement. Alors, quinquennale, c'est-à-dire entre 5 ans? C'est 18-24. 18-24. Oui. Donc, quelque part là-dedans, notre plan stratégique. D'accord. Mais c'est sûr que ça serait utopique de vous dire qu'on va avoir le métro, là. Oui, c'est ça. Mais c'est certain qu'avec M. Eric Allen Caldwell, qui est responsable du transport, ils ont une vision peut-être un peu plus large que d'autres administrations qui ont été là avant. D'ailleurs, c'est une administration de Mme Plante qui est très ouverte sur le transport en commun, transport actif, etc. Alors, c'est plus facile
de pouvoir voir à des options différentes. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas juste le métro en tunnel. Il peut y avoir un métro Absolument. De surface, il peut y avoir un tramway, il peut y avoir un tram-train. Il y a plein d'options potentielles. Alors, il s'agit de trouver la bonne qui va desservir. Puis nous, on croit vraiment qu'il faut desservir l'ouest de Montréal si on veut la densifier. Oui, c'est ça. Autant chez nous. C'est ça, quand on va en Europe, il y a beaucoup de ces petits trains où on entre, on sort, c'est léger. Bon, c'est, c'est évidemment la température, mais effectivement. Alors, on va espérer le mieux. Sinon, vous êtes heureux à la salle? Très heureux, je veux dire, c'est exactement. Et je vous dis, la seule chose, souvent, ça fait des années, je me dis, est-ce qu'on déménage? Et c'est pas parce que j'ai envie à Mercier, parce qu'il y a un métro. Et quand je vais aller au centre, je suis obligé de prendre ma voiture. On a deux voitures à Saint-Élysée, vous comprenez? Il n'y a pas grand-chose. Il y a la 110. C'est primitif, là. C'est une voiture. C'est un autobus qui fait presque. La tour de ville. Le Rondelet, comme on dit. Hein? Oui. Ouais. Alors, on est loin. Moi, je me sens loin encore d'une solution. Hein? Parce qu'on sait ce que ça a pris sur Jean Talon. Pas sur Jean Talon, mais sur Pinneuf. Sur Pinneuf. Ça a pris une éternité. Ouais. C'est même pas fini. Oui. Mais la différence, je vous dirais qu'ici, politiquement parlant, on est tous d'accord pour améliorer le transport en commun, puis on est prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour améliorer le transport en commun. Quand vous parlez de Pinneuf, vous traversez plusieurs arrondissements, donc vous traversez peut-être différentes équipes politiques. Mm-hmm. C'est pas toujours évident. Nous, c'est pas du tout notre réalité. Et nous, on rame tous dans le même sens. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir pour améliorer le transport. Savez ce qui serait bien, c'est que tenez-nous au courant. Parce que c'est rare qu'on parle de transport en commun dans les bulletins de la ville, tout ça. Même, voyez-vous, j'ai dû venir ici pour savoir que c'était quelque part, mais le fait, on est rendu là, on a proposé ça. Même si ce n'est pas encore en train d'être fait, plus on est au courant, plus ça nous encourage à rester. Oui, OK. Comprenez-vous? On prend ça, on prend le message. D'accord. Merci beaucoup, M. Frappier. M. Laperrière, qui veut nous parler des espaces de stationnement pour personnes handicapées. Bonsoir, M. Laperrière. Bonsoir, Mme Barbe. Bonsoir, tout le monde. Mme Barbe, je mets mon petit chapeau du réplique ce soir pour vous amener une situation que un couple de citoyens, personnes aînées de la salle vivent. Je ne vais pas nommer d'adresse ici, mais je le ferai après en privé parce que c'est vraiment une situation discriminatoire et ça va pas, c'est pas une belle situation. Alors, je vous mets en contexte. Il y a un couple de citoyens, de personnes âgées de la salle, qu'on va dire qu'ils habitent le logement 1. Et ils se sont fait émettre par la SAQ une vignette de stationnement pour personnes handicapées en bonne et due forme. Mm-hmm. Ils ont demandé à l'arrondissement d'avoir un espace de stationnement réservé pour eux devant chez elles, ce que l'arrondissement leur a accordé. Alors, jusque-là, ça va bien. Là où ça se complique, c'est qu'ils ont un voisin qui habite le logement B pour les besoins de la discussion. Et ces gens-là n'ont pas de vignette pour personnes handicapées, mais leur maman, qui habite un arrondissement à proximité de la salle, en a une, n'a pas de voiture. Donc, ce qu'elle fait, elle donne la vignette à ses enfants et le couple qui habite le logement 2 se stationne dans l'espace réservé à monsieur qui, lui, a son espace réservé en avant de chez lui. Je comprends très bien. Donc, il y a eu des prises de bec. Puis, je vous rappelle, c'est un couple de personnes âgées, là. Ils ont fait venir les policiers, et j'aimerais peut-être interpeller M. le commandant, s'il est ici, je ne sais pas. Mais il y a eu des prises de bec, et les citoyens ont beau expliquer aux policiers qui viennent voir que la dame n'est même pas là, elle ne vient à la salle que le dimanche, mais ils se servent de l'espace de stationnement tous les jours, et les policiers ne vérifient pas. Et la dernière visite des policiers, le voisin qui habite à logement 2 a clairement fait un signe de poing devant le policier à l'autre citoyen, puis le policier n'a pas réagi. Okay. Alors, ça monte en épingle et on ne sait pas quoi faire. OK. Monsieur Laperrière, je vous inviterais peut-être à rester ou peut-être donner vos coordonnées et on va creuser le dossier. Ouais. Effectivement, il y a des façons d'intervenir parce que la place de stationnement, par contre, je dois juste spécifier une chose, elle n'est pas attitrée à la personne qui a une vignette. Okay. OK. Si cette personne-là qui a une vignette actuellement s'en va faire du shopping et effectivement que quelqu'un d'autre sur la rue reçoit de la visite, des visiteurs, puis qui ont une vignette, ils peuvent utiliser l'espace. Okay. Mais là, je comprends que la problématique, ce n'est pas ça. Je comprends très bien ce que vous dites, mais on va voir comment on peut intervenir pour corriger le tir. Oui, je pense que ce serait vraiment important parce qu'il l'utilise, puis la dame qui est la bénéficiaire de l'autre vignette n'est même pas sur place. OK. Puis, on va voir comment on peut régler ça,
mais je voulais juste rectifier que la place qu'on donne, c'est une place pour handicapés. Okay. Évidemment, cette personne-là a fait la demande parce qu'elle est elle-même propriétaire d'un permis pour handicapés, ouais. Mais si elle n'est pas là puis qu'il y a quelqu'un d'autre sur la rue, c'est un espace réservé pour les handicapés qui a la vignette. Mais je comprends, là, ce que vous m'expliquez, okay. C'est pas ça. OK. Donc, okay. Je comprends. Donc, mais ce que je comprends, puis ça, c'est partout à Montréal, dans tous les arrondissements? Bien, là, je vais parler pour la salle, parce que nous, c'est, okay. C'est cette façon-là qu'on s'est doté. On s'est doté de cette façon-là pour venir en aide aux gens qui sont handicapés. Mm-hmm. Puis, ils doivent quand même, les gens handicapés doivent quand même respecter la signalisation sur rue. Absolument. C'est-à-dire que si le permis est pour le côté du mardi, bien, si le mardi, on doit passer le balai, bien, elle doit se mettre de l'autre côté de la rue. Ça va de soi. OK. Ça va de soi. C'est bon? Okay. Alors, je vois que M. le commandant, c'est ça? Pardon? Il n'est pas ici. Non, le commandant n'est pas ici aujourd'hui, okay. Mais vous pouvez donner vos coordonnées peut-être à Mme Mimo ou au directeur de l'arrondissement après. C'est bon? Merci. OK. Merci beaucoup, M. Laperrière. Mme Souchignard qui veut nous parler du développement de la salle Ouest et le quartier de la gare, j'imagine. Bonsoir, madame. Bonsoir, c'est en plein ça. Je n'ai pas pu être ici le mois dernier. Par contre, j'ai visionné la séance, puis je n'ai pas entendu réponse à la question que vous aviez promis de me revenir là-dessus au mois d'avril. C'est-à-dire, j'avais remarqué que lors de la conférence des quatre maires, vous aviez montré un diapo de... la région que vous voulez développer, la salle Ouest, qui mm-hmm. semblait inclure beaucoup d'autres choses que le quartier de la gare La Salle, alors que vous sembliez faire une équivalence entre les deux, sauf pour l'ajout de la Seagram. Alors, donc, vous deviez me revenir pour m'expliquer c'est où exactement la salle Ouest, puis comment ça se fait que, par exemple, les jardins communautaires, des parties, en tout cas, ça descend jusqu'à dollars, ça descend jusqu'à je crois que ce que vous souhaitiez avoir, c'est comme des limites très franches du quartier. Mais j'aimerais savoir parce que c'était dans le diapo la vidéo qui a été montrée dans la conférence. Mais Mme Souchignard, je vais vous expliquer tout de suite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite franche. Mais quand on montre une carte et qu'on dit, par exemple, Angrignon-Ouest ou quartier Angrignon ou la salle Ouest, on ne peut pas juste mettre un point sur la carte, on doit donner une approximation, mais ce n'est pas limité vraiment. Il y a pas, c'est pas comme. C'est pas par l'eau, là. C'est pas limité par l'eau. Alors, avez-vous le secteur. Revu la vidéo? Madame Souchignard, ma réponse, elle ne peut peut-être pas vous convenir, mais c'est ma réponse. Le quartier de la gare, là, c'est tout autour de Wanklun. Alors, c'est sûr que quand on montre une carte à des gens qui sont dans un dîner, conférence, ils veulent avoir une idée, c'est où, quartier Ouest. Il n'y a pas personne qui est venu me dire, dans la salle Ouest, est-ce que ça inclut telle rue ou telle rue? C'est dans ce coin-là. Alors, la salle Ouest, là, c'est un endroit. Puis, en Grignon-Ouest, bien, je disais en exemple, en Grignon-Ouest, c'est où est situé l'ancien Ford, et c'est autour. Mais il fallait que je le mette sur la carte, alors il fallait bien que je fasse un trait de crayon à un moment donné. Mais c'est pas spécifique. C'est pas un. C'est parce que dans la vidéo, mais laissez-moi expliquer là. Dans la vidéo, on montre tout le secteur, mais on ne parle pas de tout le secteur parce qu'il n'y a que certains endroits qui sont ombragés. Alors, ce n'est pas une question de un point là. C'est qu'il y a des rues qui sont ombragées puis d'autres non. Et celles qui sont ombragées semblent dire ben voici, c'est. La salle Ouest. C'est ça, c'est le secteur de la salle Ouest. Mais alors, comment ça se fait que ça va? Donc, vous comptez mettre des développements là où il y a les jardins communautaires? Non, pas du tout. Pas du les rues Maria, des Oblats, jusqu'ici, c'était tout ombragé. Mais c'est la réponse est non. Jusqu'au boulevard La Salle. Mais Mme Souchignard, la réponse est non. Alors, c'est quand même curieux de voir cette carte-là. Donc, vous n'allez pas, pour être clair, là, On ne va pas construire dans les jardins communautaires. Okay. Il n'y en est pas question. On ne va pas démolir les maisons sur la rue Stinson. Il n'y en est pas question. Puis on ne va pas construire non plus demain matin sur la Fleischmann. Tant qu'on va être en opération, il n'y en est pas question. Et vous n'allez pas descendre jusqu'au fleuve avec les développements non plus? Parce que tout ça a été ombragé jusqu'au boulevard La Salle. Oui, je vous comprends, mais c'est le secteur.
Alors, le secteur, on est en train de le repenser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va repenser la rue Lafleur. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme, comme ambiance sur cette rue-là? Mais la rue Lafleur, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de la haute densité tout le long, de partir du fleuve jusqu'à la rue Saint-Patrick sur la Fleur, comprenez-vous? Alors, c'est le secteur est en redéveloppement. Nous, on sait, par exemple, que la DIGO, elle va être vraiment en redéveloppement. La Seagram, oui. Puis on sait aussi que le secteur de Wanklin, où est-ce qu'était Sousse-Poutrecraft, ça va être en redéveloppement. Parce qu'il y a quelque chose à construire là, mais ça va desservir. Ça donne une idée aussi aux gens qui regardent la vidéo. Ah oui, c'est dans ce secteur-là. Alors, si moi, je veux m'ouvrir une business dans ce coin-là, un commerce, bien, c'est intéressant. Je vois tout le potentiel de nouvelles constructions qui s'en vient dans ce coin-là. Puis en même temps, je vois aussi, ah, il y a des jardins communautaires, il y a une vie de quartier. Alors, on montre tout le secteur. C'est comme ça qu'on a pensé quand on a fait la présentation. Désolée si ça vous a mélangé. Oui, ben avez-vous une autre question, Mme Souchignan? Ce que j'aimerais savoir, parce que la dernière fois, ben, ce que vous aviez dit aussi dans la conférence des maires, c'est que vous entrevoyez 1 400 logements dont 4 ans, je pense que c'était, là, je ne me rappelle pas le nombre exact d'années. Puis là, on se disait la dernière fois que ça devait comprendre l'îlot Wanklin, ben, la partie qui est déjà construite, Highlands, la DIGO, la Seagram's, puis c'est quoi l'autre, là, sur Clément, là, je ne me rappelle plus du nom. Pardon? Exact, jusque-là. Oui, c'est quoi encore le nom de l'autre développement? Storex, merci. Puis là, vous parliez de 1 400, mais en tout, étant donné ce que vous me dites aujourd'hui, que tout ça est en redéveloppement, en tout, vous comptez ajouter combien d'unités dans tout le secteur La Salle Ouest, et y compris le quartier de la gare La Salle, qui avant devait comprendre que la Highlands, le projet Wanklin et la Fleischmann. OK. Alors, si vous permettez, je vais vous donner des chiffres plus précis le mois prochain, comme ça, en étant plus précise, vous aurez moins de difficultés à comprendre. Alors, le mois prochain, je vous arriverai avec des chiffres plus précis. D'accord. D'accord? Puis, l'autre question, alors je suis très intriguée, monsieur, vous posez des questions sur le métro. Mes parents ont acheté un duplex ici il y a 40 ans parce qu'ils ont entendu dire que le métro s'en venait. Alors, malheureusement, ils ne sont plus ici, puis il n'y a pas de métro 40 ans après. Alors, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui vous donne espoir, comme vous avez dit que le métro viendra bientôt. Bien, je n'ai pas dit que le métro viendra bientôt. Vous avez dit que vous aviez bon espoir. J'ai bon espoir. Mm-hmm. Je garde espoir, mais je n'ai pas dit que le métro viendra bientôt. J'ai juste dit que moi, je garde espoir qu'un jour, le métro va se rendre à La Salle, tout simplement. Oui. Pourriez-vous nous dire vos plus grands accomplissements au niveau du transport en commun à La Salle depuis que vous êtes la mairesse, depuis 2001? En fait, on a fait beaucoup à La Salle dans le transport en commun. On a amélioré les routes de transport en commun. On a revu avec la STM sur une base régulière nos routes. On a fait implanter la 495 qui n'existait pas. C'était à la demande de La Salle d'avoir la 495. On a aussi implanté la navette or à La Salle, donc qui fait le tour des bâtiments pour personnes âgées autonomes pour donner un service particulier pour les personnes âgées. Alors, je pense que déjà ça, c'est beaucoup pour La Salle d'avoir réussi à améliorer le transport. Comme je disais à M. Frappier tantôt, on est dans un arrondissement où on est enclavé avec des barrières physiques qu'on ne peut pas, malheureusement, contourner. Alors, on doit vivre avec. Alors, pour le transport en commun ou collectif, on a aussi l'ajout de la passerelle au-dessus de l'aqueduc de Montréal, pour moi, qui est un gros ajout. On a aussi ajouté des pistes cyclables un peu partout dans l'arrondissement. Avant, on était seulement hors rue. Maintenant, on développe aussi les pistes cyclables dans la rue. Alors, on en fait un peu à chaque année, mais on comprend que c'est quand même une responsabilité qui relève du central. Donc, le central débloque des budgets à chaque année et chacun peut avoir son petit morceau de budget. Et on essaie au maximum de maximiser ces sommes d'argent-là en les investissant correctement dans l'arrondissement pour améliorer le transport en commun. Et on est à l'écoute de nos citoyens quand nos citoyens nous demandent un nouvel abribus, quand nos citoyens nous demandent de déplacer un arrêt, d'améliorer le service. On travaille avec la STM de très près pour s'assurer que le service est donné au maximum.
J'ai trouvé difficile lors de la le façonnement du plan de déplacement, parce que j'avais même envoyé un courriel par la suite aux gens à l'arrondissement avec vraiment des choses précises sur les trajets, des suggestions, comme le 495 devrait fonctionner aussi les fins de semaine et les soirs. C'est malheureusement, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas le soir et les fins de semaine. Et la 106 devrait être prolongée jusqu'au pour faire le lien justement avec le train. Ça serait super simple, mais à la place, à la 90e, elle se met à faire ça, un peu comme la 110. Mais on m'avait répondu qu'on ne pouvait même pas faire parvenir ces suggestions à la STM, qu'on n'avait pas le droit. Puis ça, on l'avait dit aussi lors de la conférence pour le plan de déplacement, qu'on n'a comme pas le droit de leur suggérer des choses particulières par rapport au trajet des lignes, qu'il fallait juste leur dire d'optimiser les lignes. C'était vraiment curieux. Je me suis demandé si ça servait à quoi, là, la consultation. Je vous avoue. Votre question, là. Mme Souchignard? Quand vous me dites, je suis un peu sceptique, quand vous me dites, oui, on est à l'écoute des citoyens, leurs suggestions pour les lignes, tout ça, parce que moi, j'en ai fait plein, là, puis... Okay. Puis on n'a même pas voulu les accepter. On m'a répondu qu'ils n'avaient pas le droit de suggérer à la STM des routes. Et votre question, Mme Souchignard? Est-ce que c'est vrai? Mais Mme Souchignard, écoutez, je n'étais pas là quand on vous a dit ça. Alors, je prends ce que vous me dites, mais moi, je n'étais pas là. Je suis surprise. C'était un courriel, en fait. Je pourrais le retrouver. Je suis surprise parce que nous, on en fait régulièrement des demandes à la STM. Alors, on est en contact. Je parle de façon... Quand j'ai besoin, au besoin, là, je parle directement avec M. Schnob. Il prend l'appel, on se parle franchement, et puis on se fait valoir un et l'autre nos attentes. Et quand c'est possible, évidemment, quand c'est possible, on répond favorablement à nos attentes, puisqu'on a mis sur pied déjà des systèmes où on a mis déjà des actions en œuvre dans l'arrondissement de la salle pour améliorer. Est-ce que tout ce qu'on demande, on l'accepte? La réponse, c'est non. Parce qu'eux autres aussi travaillent avec un budget et avec des contraintes. Alors, quand c'est possible, puis l'objectif pour la SCM, c'est aussi d'améliorer la qualité du transport en commun, parce que plus ça va être performant, puis plus les gens vont l'utiliser. En principe. D'accord? Merci beaucoup. Merci.